Salut, bienvenue sur Open Versalis 4, saison 5, avec l'Hindouistan. Donc, comme précédemment, la régence est terminée. Il est donc temps de commencer par rappeler les diplomates que j'ai totalement zappés. De repasser le jeu en vitesse 4, parce que vitesse 5, là, ça va pas être gérable. Et de déclarer la guerre aux Mongols. Que là, je pourrais vassaliser diplomatiquement. Donc, ce serait plutôt à Khorasan que je devrais faire la guerre. Ils sont alliés à E, ils feront appel aux membres de la coalition. Ils sont en coalition contre moi? Ils abusent, quoi. Qu'est-ce qu'ils font dans la coalition contre moi? Ouais, en plus j'ai pas d'alliés comme d'habitude. C'est-à-dire c'est quoi mes relations? C'est Delhi, Cachar. J'ai un mariage royal avec eux encore peut-être? Non. Alors, faut que je revoie c'est quoi mes relations déjà. Ah oui, je suis allié avec la Perse. Et apparemment la Perse, elle viendrait pas. J'ai pas lu pourquoi. Ok, la Perse est super occupée. Ah oui, carrément, c'est en train de se faire la thé. Tiens, je vais tenter quelque chose de fou. Alors, pour le imposer la paix, choisissez au pays du côté. Imposer la paix. Imposer une paix blanche entre le pays cible et l'un de ses ennemis. Si le pays cible refuse de signer ce traité, vous devez avoir l'opinion au moins 100 avec Khorasan. Ça veut dire qu'en fait, c'est eux qu'il faut que je cible. C'est eux qu'il faut que je fasse imposer la paix, que je fasse ceci. J'ai un problème avec les Mongols, quelque chose? Ouais. Alors en fait, on va faire ça autrement. On va faire que quelqu'un tout de suite améliore les relations. C'est où? Voilà. Hop. Celui qui améliore les relations, il a intérêt à bosser très vite. Derrière, tout de suite, je lance le mariage royal. Je lance l'alliance. On va tenter le tout pour le tout. C'est quoi ça? J'en ai rien à foutre, je préfère pas n'importe prestige, ça me coûtera moins cher. Voilà, l'alliance avec les Mongols, ça me met à 64. Derrière, je vais proclamer une garantie. Ok. Coloniser deux marques. Transformer Bourbon en ville. Bah sans hésiter, on va prendre ça. Allez, on en est combien là? Allez, les Mongols, tenez, tenez, tenez. Allez, je vais envoyer un présent. Tout de suite. Et maintenant, je vais sélectionner cela. Et je vais leur expliquer c'est quoi imposer la paix. Est-ce que j'ai besoin de faire des missions, du travail de missionnaire là? Oui, donc il faut remonter. Allez, ça va coûter cher, mais on va s'en mettre. Imposer la paix avec eux. Nous ne pouvons pas imposer une paix à un pays qui était en position de défense. Mongol est le pays qui a déclaré la guerre. Mais c'est des tarés! Pourquoi ils ont déclaré la guerre? Ils ont fait la guerre. Ils sont. Mais pourquoi est-ce qu'ils font cette guerre-là? Ils sont fous. Ils ont aucune chance de la gagner. Bon bah.
On va appeler ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà, c'est réglé, vous pouvez revenir, mec. On a fait n'importe quoi pour rien du tout. Tout de suite, vous continuez de bosser. Les Tibou, sinon. Est-ce que je peux pas leur faire la guerre? C'est quoi mes rivaux déjà? Puisque on va attaquer un rival de préférence. Donc c'est soit eux. Eux, je vais refaire encore une fois une revendication. Voilà. C'est soit eux, soit les Ming, soit les Viches. Je pense que les Viches, c'est peut-être les plus faibles à attaquer. Sauf que il va me falloir tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai vraiment invoqué le plus d'hommes que je pouvais. Voilà, quand j'ai mon niveau 12, je ferai une guerre. Bon, de base, je devais attaquer les Mongols. Geldre. Ok. Mais il s'est passé une petite merde, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ok, alors toi tu vas ici. Et toi aussi, parce que là ils sont un peu trop nombreux. Toi sinon, on va t'enlever 10. Ça va qu'ils sont 100, donc ça devrait gérer. Ouais, c'est une seule. Je vais leur refiler le conquistador. C'est mon meilleur chef militaire. Ça fait un peu la honte quand même. Bonjour, je vais faire la guerre. C'est quoi ton chef militaire? Ben, c'est un conquistador. Franchement, s'il faudrait que vous arriviez à gérer. C'est qui est mort? C'est lui. J'ai baissé la maintenance? Allez, on la remet. C'est un niveau 1, donc ça va aller. Risque de révolte. J'ai quand même quelques révoltes encore qui tiennent le coup. Voilà. Je fusionne le tout. Je vous mets celui-là. Au passage, je vais cliquer sur lui. Oh, il est nul. Oh, qu'il est nul. 12. Je tiens 2 mois. Allez, prochain mois, on y va. Tiens, Multan, c'est une bonne province, hein. Allez, je pense que j'ai au moins moins 2. Non, j'ai que moins 1, ça va. Delhi qui est venu m'aider, c'est cool. Du coup, toi tu pars en bas, toi tu pars en haut. Parce que je pense qu'on va faire la guerre. Je sais plus à qui je voulais faire la guerre. Mais je voulais faire la guerre. C'était déjà ça, je le savais. En fait, pour l'instant, je vais laisser ces 13 000 hommes ici. Plutôt par là. Parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas quel puits attaquer. Est-ce que je me lance sur les Ayuta? Mais j'aimerais bien attendre qu'ils fassent une guerre. Ou... Les Mongols, ils vont se faire détruire. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, mais tous mes plans bizarres, ils fonctionnent pas. Le Shan, c'est devenu. Eux, ils sont dans la coalition cible de la coalition de Ming. Ce que je vais faire en plus, c'est que je vais entrer dans leur coalition. Rejoindre la coalition. Comme ça, s'il rentre en guerre, on sera 2. Comme ça, si je fais la guerre, j'ai le Ming qui rentre avec moi. Ah, ils sont en guerre contre qui? Concrètement, ils ont combien d'hommes? C'est quoi le nom du pays déjà? C'est pas là. Non, 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 non. Non, ça commence par un A, il me semble. Voilà, c'est celui-là. 32 000 hommes. Pff, tiens, eux aussi, ils ont une grosse armée.
Allez, première doctrine, des impôts. Ping. Colonie qui est passée. Nouvelle quête, coloniser deux marques. Ok, c'est où deux marques? Il Christmas. Deux marques, c'est là. Ils sont quand même 4000. Je vais plutôt faire, moi je vais faire les îles Christmas dans le navire. Et toi tu vas là-bas. Améliorer les défenses à Surat. Voilà, on va améliorer les défenses de Surat. Surat, c'est là. Un bâtiment, la défense. Et on va économiser. Tungu, 14 000. Couper en deux, vous ravitailler ça. Je lance la maintenance et on va aller se battre. Avec eux, je vais reméliorer les relations parce que l'air de rien, il faut quand même qu'on fasse qu'on avance. Hop, vous venez ici. Voilà, ici c'est des pays puissants. Ah, ça y est, mes copains éléphants, ils ont aussi envie de faire une guerre contre moi. Ils se préparent. Ah, double, ok. Tout le monde vient là. Ça me ferait combien? Ça me fera 36 000 hommes. Je pense qu'on va faire un carnage. Par contre, faut que je récupère le général qui est ici. Parce que c'est lui qui est mon meilleur général. Et le pire, c'est que je dis pas ça en rigolant. 38 000 hommes, on est 10 000 de plus. Allez, go. Est-ce qu'on a du malus dans la guerre? J'ai moins 1. Oh, se fait défoncer. Leur général, non, pourtant leur général il est pas énorme. Allez les mecs, allez, 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 allez. Putain, c'était chaud. Tout de suite vous vous cassez de là. Et on va recouper l'armée en deux. Bon bah quoi qu'il arrive, si j'avais prévu de faire quelque chose, je viens de l'annuler. Parce que j'ai plus de compte en banque et mon armée a besoin de se faire réparer. Voilà, en quelques secondes, tout peut péter. Les troubles religieux là-bas, on s'en fout. L'île Christmas, mince. Débarquer. Ok, toi du coup, tu vas chercher le dernier mec. Et d'ailleurs, j'aurais dû tous les ramener. C'est con. Bavière, on s'en fout. J'aurais dû tout de suite ramener tout le monde là-bas. Ça aurait été mieux. Allez, abandonne le navire. Et tu vas à l'île Christmas. Ils sont combien ici? Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a un truc? Importation de thé. Mercantilisme, on le prend. Ok, là ils sont 2000. Ici, ils sont 500. 500, voilà. Il y a encore des petites colonies, parce que pour l'instant, je m'en prends pas aux grandes colonies. Il va falloir que je m'implante ici aussi. Donc, c'est qui eux? C'est les Mongols? Oh là là, les Mongols, ils ont pris super cher. Coloniser deux marques, non. J'ai pas envie pour l'instant. En même temps, ok, j'ai plutôt terminé avec cela. Donc, avec eux, on est à 120. Ok, reviens. Pourquoi je l'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, ils ont signé la paix. Oh, punaise. Ils sont dans la coalition contre moi en plus. Du coup, je vais certainement augmenter ma relation avec la Perse.
Alors si jamais j'attaque. Ta. Ben déjà mes alliés viennent pas, c'est dommage. Et Dalviet, à mon avis, c'est pas grand-chose. Shan, c'est pas grand-chose. Warad, c'est pas grand-chose. Ça dépendrait de eux. Allez, pour l'instant, je vais augmenter mes relations avec la Perse. Et les Mongols, il leur reste combien de terrains? Deux terrains. Ah! Ouzbékistan, c'est où l'Ouzbékistan? L'Ouzbékistan, ils sont pas en forme. Donc j'avoue qu'une petite guerre, ça pourrait être pas mal. Avec les Mongols. On n'est pas trop mal. J'ai encore 15 à avoir, donc je vais certainement pouvoir vassaliser ces trucs-là. Je vais pouvoir vassaliser les Mongols et commencer et attaquer Khorusan. Khorusan, ils sont quoi? Ils sont... Ah, je peux vassaliser Khorusan? Bah, sans hésiter, j'ai vassalisé Khorusan. Sans déconner. C'est qui leurs rivaux? C'est les Mongols. Bah franchement, si c'était si facile que ça pour se faire des vassaux, fallait me le dire tout de suite. Hein. On va gagner de la piété. Alors, on va préparer tout de suite ces mecs-là. Donc la Perse, il faut que je remonte ça parce qu'on n'est pas en forme. D'abord, on va envoyer l'offre de vassalisation là-bas. D'ici quelques mois. D'ailleurs, maintenant. Arrête, ça sert à plus rien à la suite. On perd du temps pour rien. Voilà. Bienvenue chez nous. Et maintenant, on va préparer la vassalisation chez Khorusan. Donc, on va commencer par faire le mariage royal. Non, allez. Simplement améliorer les relations. On fera tout avec le temps. Ça sert à rien de commencer tout de suite. La Perse. La Perse, ils sont en train de perdre contre des rebelles. Pas de bol. Non, ils n'ont pas perdu, mais ils ont eu beaucoup de pertes. En fait, ici, je peux retirer mes troupes. Parce que à moins d'une révolte, il se passera rien. Mes effectifs sont max. Il y a une guerre ici ou quoi? Le Ceylan. Mais comment ils font pour faire la guerre entre eux, sincèrement? Je sais pas. Mais je pense qu'on va, je vais attaquer la coalition. Lui, son allié à qui? Bérard et Katiwa. Si j'attaque le Gujera, ça peut passer. À 30, ça peut passer à 130 et quelques ici. On n'y est pas encore. Ces deux vassaux vont être très très longs à améliorer. C'est vraiment des vassaux très longs. On va perdre de la légitimité, c'est pas grave. Ouais, les révoltes sont gérables. Ok, bon, je suis en full en effectif. On va faire tourner à fond la maintenance pour que tout le monde soit ravitaillé. La doctrine, je vais pas la prendre maintenant. Et je vais prendre ma dernière armée. Voilà, elle est prise. Et si, allez, je vais la prendre. Ou pas. C'est quoi la prochaine? La prochaine, si, c'est l'ambassade, donc il me la faut. Donc je vais pas prendre la science maintenant. D'abord, on va renvoyer les 12 000 hommes. Voilà, c'est fini. J'ai plus de relation avec les Timos, ça fait plaisir. Oh, cette relation que je me traînais depuis longtemps. Ça fait du bien de s'en débarrasser. Conclure une alliance avec Khorusan. Bah, sans hésiter, je la prends tout de suite. Parce que c'était un peu mon plan. Encore 7 000. Voilà, c'est bon. On a tout envoyé. Hop. Enfin, on a fait redescendre ce chiffre-là. Avec la Perse. Ils sont bientôt de retour. Ils ont du mal. Alors, la bureaucratie, ok. Mantoue, on s'en fout. Oula, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi cet event chelou? Waouh, je sais pas pourquoi, mais j'ai perdu tous mes casus belli. Sans déconner, il s'est passé quoi? La parole, j'ai quand même pas fait autant de casus belli le même jour. Bon, pas incompréhensible, c'est pas grave. La Perse. Oh. Bon, la Perse, renvoie ton invitation parce que c'est pas possible. Chaque fois que je suis avec toi, on perd tout de suite tout. Les Mamelouks sont... Quoi, les Mamelouks sont encore vivants? C'est pas possible. Ah non, ça y est, l'Ottoman a déjà bien grignoté le Mamelouk. D'ailleurs, une alliance avec l'Ottoman, ça peut être pas mal aussi. Faut qu'ils avancent encore un peu, puis on s'en occupera. Tout de suite, on va faire l'alliance avec eux. Voilà, la quête est réussie comme ça. Derrière, coloniser Denmark. Non, pas encore arrêté. Pourquoi ils vont si vite que ça? Mariage royal, c'est fait. Ici, il faut que je refasse le mariage royal. J'ai pas envie de perdre cette alliance. Ok, et eux? Combien il me manque? Ah, les relations sont pas encore améliorées au maximum. Ok. Alors, il faut que je regarde si j'attaque par exemple Gougéra. La coalition contre nous, c'est quoi? C'est le Népal. C'est de la merde. Jemal, c'est de la merde. Bérard, je pense pas que Bérard, c'est de la merde. Katawa, c'est de la merde. Et Gougéra, c'est de la merde. C'est quoi les effectifs de Bérard? Les effectifs de Bérard, c'est 7000 hommes. Et les effectifs du grand méchant jaune, c'est 31 000. Et si j'ai fait une guerre ici, est-ce que j'ai des alliés qui viennent? Guerre loin. Attitude menaçante. Et guerre lointaine. Ouais, j'ai pas des alliés super efficaces. Un conseiller de mort. Je vais racheter un niveau 2. Ça tombe bien, j'ai que des niveaux 2. Efficacité commerciale. Chine. Et ben on va monter tout de suite la maintenance à fond. On est à point. Allez. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Effectif. Non, il me manque deux bateaux par contre. Deux barques, allez. J'ai fait ça, mais le prochain navire, c'était quand? C'était niveau 9, donc il n'y a pas de problème. Donc dès que lui il est à fond, il rase ça. Et je me suis décidé, il faut quand même qu'on tente. Je vais faire une guerre contre la coalition. Il faut que je tente. Les pertes qu'on prend à chaque fois. Donc, toi tu te places à Mandou. Et toi tu vas te placer là-bas au Sine. Non, toi tu vas te placer à Dakar. Shan, il me semble qu'ils sont plus dans la coalition, donc il n'y a plus de problème. Eux, ils peuvent m'aider pas mal. Fin des troubles religieux. Toute façon, les Mongols sont vassalisés, donc les finis sont à mes ordres. Le signe inférieur, tout ça, on va pas y aller maintenant. Faut attendre combien de temps encore? 20, ça fait 167. Voilà, dès que j'ai vassalisé cela, on part à la guerre. Ce qui va me faire une petite armée pas trop mal. Donc j'ai eux qui sont positionnés. Non, je vais plutôt les positionner de ce côté-là. Là, ils sont trop au milieu de toutes les armées possibles. Trop dangereux. Vous. On va tout de suite vous balancer là pour vous rattraper l'armée de commerce et que vous soyez bien groupés. Vous allez aller où vous? Ensuite, ok, vous revenez. Allez, hop, voilà. La flotte de commerce est complète. Les colonies, elles avancent doucement, comme d'habitude, ça on peut rien y faire.
Allez, dépêchez-vous. Il y en a qui ont envie de vous vassaliser. 57, ça monte 2 par 2, donc il faut encore 5 mois. Dans 5 mois, on va lancer la guerre de la coalition. J'ai quand même pas mal d'effectifs de réserve. On va perdre 100, pas de soucis. Donc le but, c'est surtout là de bien diminuer la coalition. Ça va juste être ça. Là, je vais envoyer le cadeau. Est-ce que j'ai fait le proclamer la garantie? Ça fera pas suffisamment. Mais bon, on proclame la garantie. Ils sont contents comme ça. Ça fait 71. Derrière, je leur envoie le cadeau. Même, je pourrais leur accorder l'accès militaire. Ça ferait 83, 85. Et non, c'est pas possible. Donc il faut forcément que je leur envoie un présent. Par contre, si je leur envoie seulement 11, ça peut se faire comme ça. Je vais accorder l'accès militaire. 183. Voilà, comme ça, je leur envoie un demi-cadeau seulement. Et c'est réglé, j'ai pas eu à dépenser trop. Ça fait crevard, je sais. Mais comme ça, j'ai pas à dépenser une fortune totalement. Et on envoie la vassalisation le 2 septembre. Allez, dépêche-toi. C'est fait, vassalisé. Je paye ma technologie militaire. Oh, c'est plus ce que j'avais dit. On fait la guerre quand on est niveau 12. On est offensif dans tous les points, tous les sens. Ça, on est opérationnel. L'armée est opérationnelle, l'armée est opérationnelle. On est à fond. Ça, je vais pas le prendre. C'est quoi en fait ça? Et modificateur d'effectifs nationaux, c'est pas mal. Par contre, derrière, il n'y a plus que des trucs inutiles. Et ben c'est parfait. Du coup, on se retrouvera demain pour la guerre de coalition. Ouais, l'océan Indien, ça va être chez moi. Va falloir que je revienne m'installer ici quand même. Parce que du coup, je pourrais peut-être choper le sud de l'Afrique. Ah mais c'est ça le pire, c'est que je peux choper le sud de l'Afrique. Ok. Donc merci de m'avoir suivi et ciao à tous, bye bye.